Thank you.
Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram, Namaskaram à vous tous. Well, eh bien, eh bien, le nombre de morts dû au virus augmente, surtout dans certains pays. Les États-Unis ont dépassé les 50 000. L'Italie a dépassé les 25 000. L'Espagne, la France, plus de 20 000. Au Royaume-Uni, près de 20 000. Presque 200 000 morts dans le monde. Et plus de 3 millions de cas. En Inde, 23 cas, 718 morts, 37 dans les dernières 24 heures. Mais heureusement, en Inde, c'est contenu en termes de zone géographique. Certaines villes sont un peu hors de contrôle, comme Mumbai, mais de grandes parties du pays sont complètement épargnées. Grâce à un confinement sévère que la nation a mis en œuvre et qui donne des résultats. En même temps, ça peut avoir un autre impact. Des dommages collatéraux ont lieu et il est difficile d'en suivre l'évolution. Il y a près de 2 ou 3 semaines, j'ai dit, c'est quelque chose dont nous devons prendre soin, mais à présent, les voix s'élèvent à ce sujet. C'est-à-dire, divers autres maux dont les gens souffrent. Il y a des gens qui ont besoin de dialyse, des gens qui ont besoin de chimio, qui ne peuvent être repoussés. Et pour les cancers, les maladies cardiaques, pour diverses opérations, les problèmes rénaux, tous ces patients ne reçoivent pas l'attention qu'ils doivent recevoir, malheureusement, parce que tout est centré sur le virus en ce moment. Donc ça crée une certaine quantité de dommages collatéraux. Nous-mêmes ici, au centre de yoga, en avons payé le prix aujourd'hui. Une vie vraiment iconique qui vivait ici avec nous. Bhairava, le magnifique taureau qui était avec nous depuis bien des années maintenant, est mort aujourd'hui. Pas d'une grave maladie. Il y a quelques jours, il s'est fait une petite fracture à la cheville et comme il n'était pas possible de l'opérer, pas d'hôpital vétérinaire ouvert ou de médecin prêt à intervenir, il y a eu des complications et ça s'est transformé en tout autre chose. Et il est mort ce matin. Je crois que les images de Bhairava les filent sur l'écran pour que tout le monde puisse les voir. Il était une vie majestueuse, il était avec nous et cela arrive partout dans le monde, aux gens, aux animaux, à tout le monde. Mais tout le monde est focalisé sur le virus, comme il se doit. Ce n'est pas qu'on s'en plaint, mais ces dommages collatéraux peuvent prendre de l'ampleur, car pendant des semaines, les hôpitaux de jour sont fermés. De petits soucis peuvent devenir mortels pour tout un tas de gens. De petits soucis qui, avec des soins légers, seraient guéris. Ce genre de choses peuvent devenir très compliquées à présent. Et si on n'a pas contracté le virus, il y a un autre problème. Les gens hésitent à se rendre à l'hôpital, car ce pourrait être un foyer d'infection pour eux. Les gens en ont conscience et en ont très peur. Donc, ça prend de nombreuses formes, mais en même temps, de bien des façons en Inde, on voit que, peu à peu, on commence à prendre le dessus.
dans la plupart des endroits du pays. Il y a un certain nombre de foyers. En ce moment, la tâche consiste en majeure partie à les tenir séparés, afin que ces foyers restent isolés et que le reste du pays puisse reprendre les activités. C'est ça, le plan maintenant. Et ils regardent comment y arriver efficacement. Si vous ne le savez pas, ces 4 prochains jours, un couvre-feu a été déclaré à Coimbatore, Salem. Je crois que Tirupur est inclus et Chennai, environ 4 ou 5 villes au Tamil Nadu. Ce n'est pas un confinement, c'est un couvre-feu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir. Ce n'est pas... on vous demande de ne pas sortir, vous ne pouvez tout simplement pas sortir. Couvre-feu signifie en général, ce n'est pas qu'ils vont l'appliquer. En général, couvre-feu veut dire que les forces de l'ordre peuvent tirer sur ceux qui violent le couvre-feu. Bon, ils ne vont pas l'appliquer avec cette rigueur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi grave que ça. C'est ça l'intention, de forcer les gens à rester chez eux pendant 4 jours. Vous faites vos stocks pour 4 jours et ne sortez pas de chez vous, sous aucun prétexte. Parce qu'on pensait à un assouplissement maintenant, mais on s'est mis sur ce mode. Je pense que c'est une décision très sage. Je suis reconnaissant au gouvernement du Tamil Nadu de prendre ce genre de mesures sévères, même si ça peut être impopulaire parmi certains segments de la population. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Partout où il y a un danger de propagation, il faut vraiment serrer la vis pour quelque temps. Partout où ils parlent de leur liberté personnelle et de liberté de mouvement, eh bien, les gens meurent de tous les côtés. Bien sûr qu'on est libre de mourir. Donc, c'est très important. Maintenant, avec les assouplissements partiels, la façon dont on se comporte chacun de nous va déterminer non seulement le cours de nos vies, mais aussi le cours de la vie de la nation et probablement de la vie du monde. On en est là. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects du virus qui se déploient, qui rendent les choses bien plus difficiles. Mais de bien des manières, l'Inde en tant que nation est vraiment réussie de façon vraiment fantastique. Il y a encore des problèmes qu'ils essayent de régler, mais en majeure partie, on s'en sort très bien. Si on peut rester à ce niveau au cours des 2 prochains mois, je crois qu'on aura traversé le gros du problème, et nous n'avons pas d'hiver très rude ici, car partout où les hivers sont rudes, ils s'attendent à une seconde vague. Ils disent qu'une seconde vague aux États-Unis est assurée, et que ça va probablement revenir en Chine. En ce moment, c'est devenu leur crainte qu'une seconde vague arrive, et qu'elle soit plus forte que la première, et tout ça. Mais en Inde, ils disent que la seconde vague pourrait ne pas avoir lieu. Donc, ça se présente bien, en ce sens. Mais tout le monde sera tendu. Si ça tourne mal pour même une seule nation, le monde entier vivra dans la peur, parce que tout ce qu'il faut, ce sont quelques personnes qui voyagent par-ci, par-là. Donc, c'est comme une nouvelle ère. On doit tous se préparer à être plus innovants, à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes en ce moment, pour voir comment on peut traverser cette situation. Parce que cette situation n'est pas une petite flaque, c'est un assez grand bassin qu'il nous faut traverser. Namaskaram Sadhguru, c'est Siddharth de Pune. J'ai une question brûlante. La grâce du gourou et une dévotion absolue envers Shiva peuvent-elles dissoudre le karma? Je crois qu'on a parlé de tout ça ces derniers jours. Voyez, il faut comprendre ces mots que vous utilisez. Gourou, un mot. Grâce, un autre mot. Dévotion, encore un mot. Shiva, encore un mot. 4 dynamites.
Pas besoin de quatre pour vous faire sauter. Un seul suffit. Soit vous avez de la dévotion, soit vous avez été touché par Shiva ou par le gourou ou par la grâce, un seul suffira, pas besoin de quatre. Vous n'êtes pas un chat. Si vous étiez un chat, on vous aurait décroché 9 balles. Un seul suffit. Le problème, c'est que vous sautez de l'un à l'autre, probablement. Vous croyez que c'est comme jouer du piano. Pim, pim, pam, poum, chaque jour. Chaque jour est une chose différente, ça ne marche pas comme ça. Une seule de ces choses suffit. Est-ce que ceci aura lieu? Est-ce que cela aura lieu? Si je fais ça, ça arrivera? Cela arrivera? Cela vient d'un certain état d'esprit. Vous me demandez, la dévotion envers Shiva va-t-elle me libérer? Si je dis oui, alors vous allez rentrer chez vous aujourd'hui et devenir dévoué. Vous croyez que c'est possible de faire ça? La dévotion apparaît, non pas à travers un exercice, mais quand vous reconnaissez clairement, pas en croyant, vous constatez clairement de par votre expérience que quelque chose est plus grand que vous, quelque chose est bien plus vaste que vous. Petit à petit, vous devenez un dévot. Cela vient naturellement, pas une dévotion cultivée. La dévotion cultivée est... Vous savez, vous jouez la comédie. J'ai toujours essayé de le rappeler aux gens. Il y a la plupart, je dis, la plupart des gens au centre de yoga, vous pouvez voir qu'il y a un certain sens de la dévotion à chaque pas. Mais certains sont... Ces jours-ci, j'arrive sans bruit sur un engin électrique, mais autrement, vous savez, je conduis un véhicule diesel. Il n'est pas très silencieux. Même si je suis juste derrière eux, ils continuent de marcher. Parce que... ils entendent une voiture. Mais ils avancent. Alors quelqu'un dit, hey, « Hé, Sadhguru, Sadhguru !» Alors ils sautent de côté et sont comme ça, comme ça. Cela ne va pas marcher dans votre vie, sachez-le. C'est pourquoi j'ai dit, si vous pensez être dévoué à Sadhguru, ou à Shiva, ou à n'importe qui d'autre, peu importe, vous devez voir ça en toute chose. Vous devez voir tout le monde ici comme Sadhguru. Vous devez voir un homme, une femme, un enfant, une vache, pas d'âne à l'ashram. Autrement, on aurait pu faire ça aussi. Toute chose, lorsque vous les voyez avec la même dévotion, alors vous êtes un dévot. Est-ce que ça fonctionnera? Absolument. Maintenant, vous lancez quatre options en l'air et vous me demandez « Laquelle dois-je viser, Sadhguru ?» Voyez, un homme va chez l'ophtalmo. Et après avoir vérifié ses yeux, le docteur fait une ordonnance. Alors l'homme dit, « Docteur, une fois que j'aurai mes lunettes, est-ce que j'arriverai à lire ?» Le docteur dit, « Absolument, bien sûr, vous pourrez lire. » L'homme dit, « C'est vraiment formidable, je n'ai pas pu lire de toute ma vie. » Votre dévotion est comme ça. Si maintenant je vous dis, la grâce du gourou va faire partir votre karma, maintenant vous allez marcher comme ça. Guru, 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 guru. Pour beaucoup de gens, qu'ils prononcent le nom de Dieu ou quoi que ce soit, pensez-vous qu'ils prononcent tout le temps les noms de leur Dieu avec une totale dévotion? Ils le prononcent avec agacement, colère, haine, ressentiment. C'est même un cri de guerre, d'accord?
La plupart du temps, je dirais que 98 à 99% du temps, quels que soient les dieux auxquels ils croient, les noms de ces dieux ne sont pas prononcés avec une totale dévotion. Seuls 1 à 2% le font peut-être. Les autres les prononcent, c'est « Sésame, ouvre-toi » pour eux, vous savez. C'est un mantra pour obtenir quelque chose. C'est comme ça que vous demandez maintenant. Est-ce que ça, il y en a 4. Quelle balle devrais-je choisir, Sadhguru, pour tirer sur mon karma? Eh bien, cela va être un gros karma. Vouloir tirer sur Shiva ou votre gourou va être un gros karma. Ça ne va pas vous libérer du karma, ça va vous empêtrer encore plus. Oh, Sadhguru, vous ne donnez jamais une réponse simple et directe, vous ne faites que tout compliqué. Pas moi, vous. Je vous dis qu'une seule balle dans la tête suffira. Vous dites, 4 balles, je les tire où? Ce n'est pas comme ça, une seule suffira, n'importe laquelle. Donc, combien de fois allez-vous vous débarrasser de votre karma dans cette vie? Je veux que vous compreniez qu'en étant assis ici et en respirant, et cette machine fonctionne et cette machine fonctionne aussi, cela est en soi du karma. En vivant, vous dissolvez du karma et vous récoltez du nouveau karma. Ça a lieu en permanence. Donc le fait que vous soyez comme ça, je veux me débarrasser de tout mon karma, je veux me débarrasser de tout mon karma, cela en soi est un très gros karma. Vous devez en arriver à un certain sens de l'abandon. Parce que vous n'allez pas vous débarrasser de votre karma encore et encore. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est comme la respiration. Si vous inspirez, vous devez expirer. Si vous expirez, vous devez inspirer. Eh bien, ceci est arrivé. Shankaram Pillai, pour la première fois, fait une croisière. Un gros bateau de croisière. Il embarque. C'est la première fois qu'il est en mer, et ça le rend un peu nerveux. Même si le bateau est très gros, malgré tout, vous savez, même sur les très gros navires, beaucoup de gens vomissent sans arrêt. Parce que ça va quand même osciller un peu. Donc, il va voir le capitaine et lui demande. Il est un peu nerveux avec tout ça. Parce que prendre la mer sur un navire, c'est comme... Donc il demande au capitaine, au commandant du navire, il dit, un navire de cette taille, est-ce que ça coule souvent? Le commandant le regarde et dit, celui-ci, juste une fois. Vous n'avez à vous couler qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le faire tout le temps. Ce n'est pas comme ça. Si vous vous distancez de la machine à fabriquer du karma, qui n'est que votre corps et votre processus psychologique, c'est terminé. Ça vomit des choses, et alors? Ça ne vous colle pas à la peau. Karma signifie simplement ceci. Pour vivre ici, vous devez toucher quelque chose. Sans rien toucher, vous ne pouvez pas vivre. Visuellement, en entendant... Voyez, actuellement, vous ne partez peut-être pas chasser les oiseaux, mais les oiseaux vous touchent avec leurs préoccupations du soir, leurs propres affaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Yoga, yoga? Non, non, leurs propres trucs. Parce que eux ne s'inquiètent pas du virus. Ils regardent tous en bas et se disent, depuis quand tous ces imbéciles sont devenus si raisonnables? Vous savez, ils sont assis tranquillement, ils se déplacent en faisant attention, personne ne passe en trompe par ici, par là, ils sont tous en train d'en discuter. Il y a un débat en cours là-haut.
Depuis quand tous ces imbéciles sont devenus aussi sensés? Est-ce qu'ils vont rester comme ça ou est-ce qu'ils vont retomber dans leurs idioties? Ce débat est en cours. Donc vous êtes touché par les oiseaux, tout ce que vous voyez, de toutes les façons, tout ce que vous touchez. Aucune vie ne peut avoir lieu sans toucher un million de choses par jour. Maintenant, supposez qu'on vous enduise de... J'essaie juste de trouver un nom sans mentionner une marque. Anabond, c'est aussi une marque. Je dis ça parce que c'est encore... J'ai fait quelque chose et ça colle encore, ça ne part pas de mes mains. Anabond. C'est une sorte de colle. Liquide. J'ai essayé d'en prendre un peu et j'en ai partout sur les mains, cette satanée chose ne part pas, presque comme si elle allait faire partir ma peau. Donc supposez que vous soyez recouvert de l'une de ces super glues, de la tête aux pieds. En 24 heures, imaginez juste ce que vous allez devenir. Allô? Un bazar pas possible. Parce que tout va rester collé. C'est tout ce qu'est le karma. Donc, n'importe quoi dans le monde, tout ce que vous touchez va vous coller à la peau. Quand tout vous colle à la peau, eh bien, au départ, quelque chose se colle sur vous, vous pensez, ça c'est la richesse, ça c'est les relations, ça c'est le mariage. C'est ainsi que vous avez pensé quand quelque chose est resté collé sur vous. Mais après quelque temps, quand trop de choses sont collées à vous, alors lentement votre visage s'est allongé. Vous avez un air grave. Vous avez un air grave veut dire que soit vous marchez vers la tombe, soit vous invitez la tombe à venir vers vous. Une de ces choses a lieu en tant que vie. Vous n'y pensez peut-être pas, mais en tant que vie, vous commencez à pratiquer la mort. Vous vous y acclimatez. Oui, c'est pour ça qu'on dit un visage grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous vous acclimatez à la mort. Pourquoi? Parce que trop de choses sont collées sur vous. Un gros tas. Marchez en portant ce tas, je veux juste que vous imaginiez. Tout ce à quoi vous vous êtes identifié, tout est resté collé. Disons que vous allez au travail, vous êtes très fier de votre travail, et comme ça. Et vous vous asseyez là, la chaise reste collée, vous touchez la table reste collée, vous touchez l'ordinateur reste collé. Imaginez-vous juste en une journée ce qui va vous arriver. Vous serez une montagne en un rien de temps. C'est ce qui s'est passé actuellement. Donc ce n'est pas « et si on taillait la montagne pour enlever le karma, enlever le karma ?» Non, dévotion, grâce, guru, Shiva, tout ça, ce sont des solvants. Pas pour le karma, pour la colle. Vous décharger de votre karma n'est pas ce qui nous intéresse. Si simplement la colle est dissoute, il va tomber. Mais vous êtes de ce genre. Quand il commence à tomber, « Oh, mais ça, j'aime, je veux que ça colle. Ça, je veux que ça parte. » D'accord, la colle est de retour. La colle ne fait pas de distinction comme le virus. Peu importe ce que c'est, tout colle, c'est tout. Donc, nous devons juste dissoudre la colle. On n'a pas à dissoudre le karma. Si vous dissolvez la colle, le karma retombera à sa place. La prochaine fois que vous allez vous asseoir au bureau, la chaise va retourner à sa place. Je veux que vous imaginiez, vous marchez avec une chaise collée à vous, l'ordinateur pendu à vos doigts. C'est tout ce qui se passe en ce moment. Les gens portent leur travail sur leur tête, leur famille sur leur tête, leur monde sur leur tête, leur richesse sur leur tête. C'est moche. Mais que faire? Dans la société, certaines personnes, si vous portez une grosse charge, ils disent « Waouh, quelle réussite !» Il a une montagne sur la tête. Pour chacun d'entre vous, ce qu'on va faire, pour vous le faire comprendre, j'ai commandé une pépite d'or de 25 kilos, de l'or. Hé, ne riez pas, c'est de l'or pur. Mais vous devez la porter sur la tête, on va la fixer sur votre tête. Une pépite d'or de 25 kilos. Oh, les gens vont dire, quelle richesse!
Allez vous balader pour voir, vous allez comprendre où est le problème dans tout ça. Donc, ne vous demandez pas que va faire ceci, que va faire cela, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement ceci. Si vous savez comment être simplement assis ici, comme si vous veniez de naître, avec l'intelligence d'un adulte, avec le corps d'un adulte qui a ses propres problèmes, mais vous pouvez être assis ici comme si vous veniez juste de naître. Quand je dis juste de naître, c'est juste de naître, même pas les yeux ouverts. Parce que même ce petit bonhomme, dès qu'il ouvre ses yeux, il va faire « main, il a ses propres trucs ». Quand il vient juste de naître, comme ça, si vous pouvez être assis comme ça, simplement avec un corps d'adulte, avec l'intelligence d'un adulte, mais pas collé à quoi que ce soit, simplement, si vous pouvez être assis ici, c'est tout. C'est ça qu'il me reprochait. Sadhguru, vous avez dit, si vous pouvez être simplement assis avec moi un instant, je vous libérerai. Mais maintenant, vous revenez sur votre parole. Vous savez, il y a 3 jours, ils en ont parlé. J'ai dit, si vous pouvez être simplement assis avec moi, vous oubliez le simplement. On s'est assis ici. Oui, vous vous êtes assis ici, et donc? Donc, faire les choses un peu plus... en étant un peu plus alerte, ou avec un abandon absolu. Être alerte, vous pouvez y arriver par étapes. Si c'est une question de conscience, vous pouvez la faire grandir pas à pas. Ce n'est pas que vous devenez plus conscient, ce n'est pas vrai. Vous devenez plus alerte, suffisamment alerte pour qu'un jour vous remarquiez que la conscience est la nature de votre existence. Une autre façon est d'atteindre un état d'abandon absolu, parce que vous avez parlé de dévotion de Shiva. Là, il s'agit d'abandon total. Ça, vous ne pouvez pas y arriver pas à pas. C'est un saut en une fois. Pour pouvoir sauter dans quelque chose de cette façon, vous devez être soit fou, soit absolument sans peur. Et comme personne n'est absolument sans peur, vous devez être fou. Autrement, vous n'en sortirez pas propre. Parce que, même pour... vous savez, les gens, à l'ashram, ce n'est pas vraiment un problème. Les hommes peuvent se raser tous les 5 jours, 6 jours, ou une fois par mois, vous savez, chacun est à un certain stade. Je suis un peu libéré. Mais, si vous voulez être rasé de près, même pour ça, vous devez faire beaucoup de choses, ceci est arrivé dans le Tennessee. Un homme va chez le barbier et dit, vous savez, je viens d'être embauché, c'est très important que je sois vraiment bien rasé. C'est pour ça que je suis là. Le barbier lui dit, pas de problème. Et il lui donne une balle de golf et dit, mettez ça dans votre bouche, une joue ici, tenez-la comme ça, je vais parfaitement raser ce côté, et ensuite ce côté aussi. Donc vous savez, cette position sur une chaise de barbier, avec la balle, comme ça, il se fait raser, ça devient très propre. Et puis il dit, à un moment j'ai cru que j'allais avaler la balle. Imaginez que j'avale la balle, que se passerait-il? Le barbier dit, pas de problème, comme tout le monde, vous la ramenez dans 2 jours. C'est ça le karma. Ça tourne sans arrêt. Vous recyclez les mêmes bêtises, combien de temps allez-vous le faire? Une balle de golf suffit à raser 100 personnes, vous savez. Donc, ceci a lieu, pas à cause de l'activité, pas à cause des gens, pas à cause du monde, pas à cause du virus. Ça a lieu parce que vous êtes couvert de colle. Donc, les 4 solvants que vous avez mentionnés,
N'importe lequel est bien, immergez-vous-y absolument, dans la dévotion, ou dans la grâce, ou dans le gourou, ou dans Shiva, immergez-vous-y juste absolument, n'importe lequel. Le solvant va partir. Ensuite, qu'est-ce que le karma? Il n'y a rien de tel. La question suivante est de Ekta Agarwal. S'il vous plaît, conseillez les femmes du pays qui ont affaire à des partenaires paresseux, des parents têtus, des enfants qui s'ennuient. Comment coexister avec compassion dans tout ce chaos, avec plus de tâches ménagères et une identité professionnelle qui a disparu? Vous êtes une femme très chanceuse. Vous avez un partenaire paresseux. Un homme hyperactif, 24 heures sur 24 à la maison. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est paresseux. Vous êtes très chanceuse. Parce qu'il dort ou il regarde la télé, quelque chose comme ça. S'il était hyperactif, il causerait beaucoup d'ennuis. Non, l'idée que vous vous faites d'un partenaire plus actif, c'est qu'il va arriver dans la cuisine et faire la vaisselle et nettoyer le sol et... Il existe des hommes très bien comme ça, mais la plupart des hommes ne sont pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que faire la vaisselle est un travail de femme, faire le ménage est un travail de femme, non, non. Mais ça ne dérange pas l'homme de vivre sale. Une femme veut que les choses soient propres, alors elle doit les nettoyer. Autrement, allez juste voir une tanière de célibataires, il y a de tout partout. Ils vont sortir de la douche et commencer à chercher où est mon caleçon, où sont mes habits, vous savez. Ici, au centre de yoga, on forme les hommes à être un peu plus disciplinés. Autrement, c'est dans la mentalité d'un homme, de... Vous savez, je le constate depuis 40 ans. J'essaie constamment d'apprendre aux gens à garer leurs chaussures ensemble. Parce que c'est une tendance masculine d'arriver et de balancer ses chaussures, une ici, une là. Maintenant, on a réveillé le féminin chez tous les hommes, ici au moins. Et dans tous nos programmes, ils gardent tous leurs chaussures comme il faut. En général, ils vont les balancer et, comme une femme ne peut pas le supporter, elle va arriver et les rassembler quelque part. Donc, comme ceci est arrivé, un jour, Shankaran Pillai, maintenant, pas un jour, maintenant, à l'ère du virus, parce qu'on s'en souviendra comme d'une ère, à cette époque du virus, Shankaran Pillai arrive et gare sa voiture devant l'entrée des urgences d'un hôpital, sur la voie des urgences. Alors la police arrive, l'interpelle et dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit, « Eh bien, c'est marqué là, parking réservé. » Donc c'est comme ça qu'il le voit. Parking réservé veut dire réservé pour se garer. Alors, quelles sont les qualités des enfants? Des parents têtus et des enfants qui s'ennuient. Oh, ok, ok. Des parents têtus, des enfants qui s'ennuient. Eh bien, c'est la famille qu'on a produite, n'est-ce pas? Et vous avez perdu votre identité professionnelle. Ça, c'est bien, à vrai dire, un certain temps. À moins que vous ne travailliez de chez vous.
Il est important de comprendre que c'est le moment idéal si vous voulez transformer votre famille, quoi qu'il soit. Ils sont têtus, ils s'ennuient, ils sont paresseux, ils sont hyperactifs, ils font n'importe quoi. Quoi qu'il soit, chacun est différent. Mais là, vous les avez captifs chez vous. Si vous voulez les transformer, c'est le moment idéal. Parce qu'une fois sortis, ils ne sont pas disponibles. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez les transformer, si vous voulez essayer, il n'y a pas de meilleure époque que l'ère du virus, parce que ils sont tous coincés à la maison. Ils doivent... Si vous demandez 10 choses, ils doivent en faire au moins 2. Ils ne peuvent pas juste les ignorer, peu importe à quel point ils sont têtus ou paresseux, ou qu'ils s'ennuient. Si vous demandez 10 choses, ils doivent en faire au moins 2. Parce que sinon, leur repas est entre vos mains, si j'ai bien compris. D'après votre description, de toute évidence, aucun d'eux ne cuisine. C'est vous. Donc les repas sont entre vos mains. Donc très facilement, vous pouvez... Tout ce que vous avez à faire, c'est au dîner, peut-être que c'est trop tard pour aujourd'hui, vous avez déjà cuisiné. Demain, au petit déjeuner, demandez à chacun de... quelle que soit l'heure, vous savez. Ça, ils vont le demander, ils ne seront pas paresseux pour ça. Donc à l'heure du petit déjeuner, tout le monde arrive, vous vous asseyez aussi. Si nécessaire, dites Asatoma, Sadgamaya, ou chantez une chanson si vous voulez, si vous savez chanter. Mais pas de petit déjeuner. Eh bien, nous sommes tous ensemble et heureux, qu'est-ce que ça fait? Avec ou sans petit déjeuner, qu'est-ce que ça fait? Vous leur faites un discours. Qu'est-ce que ça fait, après tout? On est tous ensemble. Être une famille, c'est être ensemble. Pas laver la vaisselle, faire le ménage, ce n'est pas ça une famille. Être une famille, c'est être ensemble et s'envoyer des baisers les uns aux autres. Alors ils vont tous comprendre que famille veut dire qu'il faut faire la vaisselle, il faut nettoyer le sol, enlever les toiles d'araignée, il faut sortir les poubelles. C'est ça que ça implique d'organiser une famille. Dans tout ça, avec un sac poubelle à la main, si vous pouvez aussi vous embrasser, vous gérez super bien. Mais si ce n'est pas possible, faites juste ça, parce que c'est la première facette de la famille. C'est une organisation. C'est une organisation dans laquelle les gens doivent manger, les gens doivent vivre, les gens doivent vivre là, ça veut dire certaines choses doivent être faites en premier. Après ça, votre degré d'amour et vos qualités, ça vient après ça. Vous avez intérêt à comprendre ça. Alors, demain matin, si vous les invitez au petit déjeuner et leur chantez un joli sloka ou une chanson ou ce que vous connaissez, et leur dites, quelle famille fantastique nous sommes. Vivons ensemble, baignés d'amour, en nous tenant la main. Peu importe ce qu'est le petit déjeuner, ces choses futiles ne nous concernent pas. Eh bien, les gens paresseux vont comprendre, les gens têtus vont comprendre, ceux qui s'ennuient vont devenir intéressés. Tout va arriver. Ne pensez pas que famille veut dire une grande histoire d'amour. Non, c'est beaucoup de gestion. Vous pouvez gérer ça avec amour, c'est autre chose. Mais beaucoup de gestion. Autrement, aucune relation ne durera sans une gestion sensée des situations. C'est très important. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya
Shambha, Shambha, Mahāyāna.